Donne-moi ça. Regarde, c'est facile. Tu ajustes et tu tires. Waouh! 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 Dali? Ralph? Oui, maman? Tu peux venir? Allez, j'arrive tout de suite. Salut, maman. Bonjour. S'il te plaît, sers-moi un whisky. Hein? Tu y vas encore? Tu m'avais pourtant dit que c'était fini, que tu n'y retournerais plus. Je t'ai déjà expliqué que... ça ne te regardait pas, cher enfant. Laisse-moi tranquille. Sois gentil, prépare-moi un whisky. J'ai bien l'impression que tu es jaloux. Ce type ne m'inspire pas. Je le trouve bizarre. Tu feras mieux de le laisser tomber. C'est un petit, un minable, il vaut rien. Essaie de t'en rendre compte. Sois mignon, Ralph. Prépare-moi un whisky. Non. Arrête de boire. Allons, ne t'énerve pas, c'est toi que j'aime. Il y a un jeune homme devant l'entrée. Il paraît que c'est votre fils. Vous l'avez laissé entrer ici? Non, 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 il attend dehors. Dites-lui que je ne suis pas là. Renvoyez-le, il ne doit pas entrer. Va le chercher. Tu as tort de culpabiliser, chérie. Ton fils peut bien venir chez nous. Qu'est-ce que tu veux lui cacher? Grâce à cette affaire, tu peux l'entretenir et même le gâter. Salut, Ralph. Je suis content de te voir ici. Je viens de dire à ta mère que c'était une erreur de ne pas te parler clairement de notre club. Allez, tu dois connaître les lieux.
vais tout lui montrer. Sers-toi un whisky. Cet endroit est une sorte de boîte privée, très privée. Il est conçu pour les gens qui travaillent beaucoup et qui cherchent une atmosphère calme et détendue. Il faut absolument les satisfaire. Et les filles, là? Ce sont elles qui créent l'atmosphère. Une atmosphère très très privée? C'est cela. Et que doivent-elles faire pour que l'ambiance soit ce qu'elle est? Elles discutent avec les clients, elles se laissent caresser. Nos atouts sont la musique, les jeux, la danse et l'érotisme. Nous voulons avant tout satisfaire les désirs de nos nombreux clients. Tout ce dont l'être humain a besoin, c'est-à-dire l'amour et le plaisir, se trouve chez nous. Voici notre sauna. Nous parvenons à lier le plaisir avec la santé. Mais tu devrais venir un soir, nous faisons parfois des démonstrations. Votre seule ambition, c'est le bonheur du prochain. Oui, c'est cela, exactement. J'arrive tout de suite. Allô, ici Baud. Grand-père, il faut que je te voie, j'ai besoin de te parler. C'est très urgent. Calme-toi, arrête de marcher. Je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Ma mère, chaque soir, travaille dans un bordel. Tu étais au courant, toi? Est-ce que tu le savais? Oui. On me l'avait dit. Et alors? Tu n'as rien fait, tu l'as accepté? Non, j'en ai parlé tout de suite à ta mère. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle travaille là-dedans. Qu'a-t-elle répondu? Rien, mais après, je suis allé voir ce monsieur Kissler. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Laissez ma fille tranquille, je l'exige. Il m'a répondu qu'Irène était adulte. Tout ce qu'elle fait, elle le fait de son plein gré. Tu crois qu'elle le fait de son plein gré? À force de m'arrêter devant la boîte de nuit, j'ai fini par me faire remarquer. Ils m'ont demandé d'aller ailleurs. Je n'y suis plus retourné. Tu es encore au whisky, alors qu'il est 3 heures. Ce soir, tu t'es comporté de façon ignoble. Ah, c'est moi. Oui, toi. C'est là-bas que je gagne l'argent que tu peux dépenser. Et puis, j'ai des parts très importantes dans l'affaire. Je te signale aussi que j'aime cet homme. Sois tranquille, il ne s'agit pas d'un amour délirant. Je me sens bien avec lui, voilà tout, je ne demande pas autre chose. Je suis libre, je fais ce que je veux. C'est ça que tu veux, faire la grue le soir? Je te demande pardon, maman, pour tout à l'heure. Je peux entrer? Je suis désolé, maman. Excuse-moi.
Ce type est mauvais. Il t'a fait tourner la tête, tu n'arrives plus à réagir. Ou tu ne veux plus réagir. Tu fais n'importe quoi. Arrête le massacre. Je t'en prie. Je dois dormir. Je vais agir à ta place. Un club privé, ça signifie qu'il faut avoir la carte. Tous les membres se connaissent. Les clubs privés, on sait ce que c'est. Des bordels déguisés. Ils prennent un statut qui les blanchit vis-à-vis de la loi. Seulement, on sait bien ce qui se passe à l'intérieur. Excuse. Non, je t'en prie. Tu penses que je suis pas au courant? Et ta mère? Oui, ça va, je sais. Elle est folle. Ce mec, il lui a ôté toute volonté. Elle est ailleurs. Elle n'écoute plus que ce type. Il faut faire quelque chose. Il l'a ensorcelé. C'est comme une maladie. Elle est folle de ce mec, si je comprends bien. Tu changes d'homme chaque soir? On peut réserver sa place? Salut, Ralph. Que se passe-t-il? Tu es superbe. Qu'est-ce que tu as? J'ai eu une dispute à l'instant avec mon fils. Je vois. Et alors? Il n'aime pas mon travail au club. Il se met en colère à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit que je devrais arrêter d'aller à la boîte. Et alors? Je me demande s'il n'a pas raison. Je me sens fautif, je devrais l'écouter. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que j'ai abandonné son père et que je suis partie sans prévenir, alors... Depuis, je n'arrête pas de me faire des reproches au sujet de Ralph. Il vaudrait mieux que je laisse tomber, tu sais. Réfléchis. Où vas-tu trouver de l'argent? Que peux-tu faire? Que sais-tu faire? Écoute. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ta vraie vocation. Tu ne sais pas faire autre chose. Tu es douée pour ça, Irène. Tu offres du plaisir aux autres. Les hommes sont dingues de toi. Tu es faite pour travailler au club. Viens. Oublie ces drôles d'idées. Un bon conseil. Laisse ta mère tranquille. Alors c'est ça, la boîte en question? Ça a l'air tout petit, vu de l'extérieur. Ils ont plein de trucs, tu dis? Ouais, la super piscine, le sauna, on s'en serait douté. C'est pour qu'ils entrent en transe. Un bar, de la musique, une installation gigantesque. Le grand luxe, quoi. J'aimerais bien voir ça, moi. Tiens, voilà. Y a-t-il? Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des copains. Je leur ai raconté ce que cache cet endroit. Et que cache-t-il? Une boîte de nuit. Un bordel, déguisé en club. Un genre de club très particulier pour satisfaire des besoins spéciaux. On peut pas dire ce qu'on veut de votre boîte à la con. Sa mère bosse là-dedans, et qu'est-ce qu'elle fait? Un conseil, ne restez plus dans les barrages.
Ça s'est terminé comment? Il t'a cogné dessus? Non, tu parles, il a pas osé. Mes potes étaient là. Il a pas insisté, il s'est barré. Mais pourquoi as-tu emmené tes copains sur les lieux? Parce qu'ils l'ont demandé. Tu leur as tout raconté? Ouais. Ce sont mes potes. On est une bande de super copains, on se quitte jamais. Alors, ils réfléchissent avec moi, ça aide? Ouais, je comprends. Je me suis posé souvent la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment arrêter ça? T'es tué en pleine rue. Oui, devant son garage ouvert. Nous n'avons pas un seul témoin, Harry. Pas un seul pour le moment. Pourtant, un coup de feu, ça se remarque. Je suis sûr que des gens ont vu la scène. C'est un quartier très passant. Nous allons peut-être obtenir quelques précisions à l'intérieur. Il s'agit donc d'un... d'un club privé. C'est bien ce que je pense. Si vous désirez connaître les multiples activités du club, lisez la plaquette. Très bien. Harry, regarde cette plaquette. Est-ce que vous pourriez me dresser la liste des personnes qui sont venues chez vous ce soir et qui ont profité des nombreux et surprenants attraits du club, monsieur? N'oubliez pas les employés, eux aussi sont à compter. Les dames, les serveurs et tous les autres. Cette liste, vous y tenez beaucoup ou non? Un des points du règlement de la maison... C'est la discrétion, l'absolue discrétion. À maman. Quelle horreur. C'est vraiment affreux. Est-ce que c'est toi? De quoi parles-tu, maman? Quelqu'un a tué Kissler, juste devant le club. Il voulait entrer dans le garage de sa maison. On lui a tiré une balle dans la tête. C'est atroce. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Que dois-je dire? Il a été tué. Est-ce que je dois le pleurer? Là, tu m'en demandes beaucoup trop.
quelque chose n'est pas normal. Tu es curieux. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu m'inquiètes. Ton comportement est bizarre. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu délires ou quoi? Qui a tué Kissler? Je me demande si c'est pas toi. Quoi? Tu perds la tête? Écoute, essaie de te calmer un peu. Tu veux un whisky? Oui, je comprends, c'est une nouvelle épouvantable pour toi. Tu es encore sous le choc. Moi, à mon avis, cette affaire est cousue de fil blanc. La voix de Kissler était bien rattachée au milieu, au monde de la pègre. Alors, j'imagine qu'il s'agit d'un petit règlement de compte entre truands. À tous les coups, ce sont des pros. Il faut être culotté pour descendre un type alors qu'il sort de sa voiture. Qu'y a-t-il? Tu sais qu'il sortait de sa voiture? Je ne t'ai pas dit comment il s'était fait descendre, pourtant. Hein? Il voulait sortir de son auto et on lui a tiré une balle. Comment le savais-tu? Que veux-tu que je te dise? C'est toi qui as parlé du garage, alors moi j'ai imaginé la scène. Pour tuer un mec qui se trouve dans son auto, il est logique de le faire sortir d'abord. J'ai appelé il y a un moment. Tu n'étais pas à la maison. Oui, bien sûr que j'étais pas là. Je me promène le soir. Maman, je sais ce que tu dois ressentir. Seulement, tu dois réagir. Tu en as de bonnes. N'oublie pas que la vie continue. Tes larmes n'y changeront rien. Et puis, je suis près de toi. Tu n'es pas toute seule. Je suis là. Je serai toujours là, maman, tu le sais. Tu vas recommencer ta vie, repartir à zéro. Nous vivions en complète harmonie. Avant que Kissler ne soit là. Est-ce que c'est toi? Pourquoi tu ne réponds pas? Dis quelque chose! Essaie de dormir, maman. Il faut absolument que tu récupères. Ne pense plus à ce type, essaie de te reposer. Tu es à bout, je te conseille de prendre un somnifère. Je reste à côté de toi, ne t'en fais pas. La vie continue. Dis-moi si c'est toi. Allons, dis-le-moi. Est-ce que c'est toi? Que veux-tu entendre? Je veux la vérité. Non, c'est pas moi. Tu mens. Irène Stubach n'est pas qu'une des entraîneuses de la boîte. Elle est également actionnaire. Mmh. C'était la confidente et l'amie de Kissler. Elle était surtout sa maîtresse. Si tu veux, on peut également dire ça. Elle est restée prostrée au bar longtemps et puis elle a donné un coup de fil. Quelques instants plus tard, elle est partie comme une flèche. Est-ce que tu dors? Non. Tu veux que je tire les rideaux? Je pars au lycée. Ton petit déjeuner est prêt. Approche.
te demande pardon pour hier. Pourquoi? C'est pas la peine. Je suis idiote. Où aurais-tu pu dénicher une arme? C'est pas du tout un problème. Celui qui en veut une, il la trouve toujours. Un pote de ma classe en a une. On va souvent s'amuser à descendre des boîtes. Je dois partir. Ton café risque d'être froid. Qu'est-ce que tu dis? Il a été tué? Oui, le mec qui a fait le malheur de maman. Quelqu'un l'a abattu dans la rue. Hier soir, juste devant leur boîte pourrie. À quelle heure tu sors? Je vous en prie. Merci. Hier, je vous ai croisé au club. Vous étiez très triste. J'ai appris deux ou trois choses sur vous par la suite. Vous étiez très lié à M. Kissler, un ami de longue date. Vous étiez aussi sa maîtresse. Est-ce que l'information est fausse, chère madame? Non, c'est vrai. Asseyez-vous. Merci. Écoutez, je voudrais savoir si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir tué M. Kissler. Non, personne. Je n'ai pas d'idée. Je ne vois pas du tout. Est-ce que votre fils est ici? Mon fils, pourquoi? Nous avons une déposition disant qu'il est venu au club il y a quelques jours parce qu'il voulait vous voir. Il n'aimait pas beaucoup, Monsieur Kissler, à ce qu'il paraît. Non. Il est lycéen? Oui, il est en terminale. Mon fils détestait Kissler, c'est vrai. Il ne s'en cachait pas d'ailleurs, c'était clair. Qu'est-ce que vous lui voulez? J'aimerais le connaître, c'est tout. Nous ne devons pas faire les imbéciles. Il faut que tu réalises que la police va te soupçonner en premier. Il a raison. Parce que tu as un sacré mobile. Est-ce que tu imagines un peu les titres dans les journaux? Un adolescent tue l'homme qui exploitait sa mère. Il n'y a pas de quoi rire, c'est pas drôle. Il faut absolument rester maître de la situation pour l'instant. Et veiller à ne pas commettre la moindre erreur. Pour le moment, nous n'en avons commise aucune. Vraiment aucune. Tout ira bien. On se voit ce soir. Grand-père, c'était pas la peine de venir jusqu'ici, voyons. Ah, tu en as de bonnes. Tu m'as fichu une de ces peurs. Pourquoi? Je voulais simplement te prévenir. Moi, il faut que je sache. Redis-moi ce que tu m'as dit. Kissler, l'homme qui a fait souffrir maman, est mort. Hier soir, quelqu'un l'a abattu. Pourquoi tu me regardes ainsi? Est-ce que tu es mêlé à cette histoire? Tu ne dis rien du tout? Qu'est-ce que je dois en déduire, garçon? Quelqu'un de la police est venu te voir? Non. Vont t'interroger. Pourras-tu faire face aux questions? Moi, je crois que non. Ne te laisse pas surprendre. Il faut rester lucide, mon garçon. Ils vont sûrement t'expliquer que c'est toi qui as commis cet assassinat. Tu soutiendras le contraire. Je vais te dire. Ils vont te soumettre les indices qui aggravent ton cas. Alors tu leur diras la vérité. Tu en voulais à Kissler. Tu le haïssais. Mais le tuer, c'est autre chose. Il faut que tu sois clair. Pèse chacun de tes mots. Allez, on y va. Allez, tout ira bien. N'aie aucune crainte. C'est ici. Bon, écoute, nous allons frapper et entrer. Il va falloir être vigilant. Je vais essayer. Stéphane, tu peux venir, s'il te plaît?
Voici Ralph Stubar. Ah, très bien. Bonjour. Je désirais vous rencontrer, c'est pourquoi je vous ai demandé de passer. Je peux savoir qui vous êtes? Je me nomme Karl Bode. Je suis le grand-père de cet enfant. Veuillez prendre place. J'ai appris que vous désiriez voir le petit pour lui poser des questions, alors j'ai voulu venir aussi. J'espère que vous êtes d'accord. Oui, oui, vous pouvez rester. Vous savez de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Vous le savez également? Oui, il est aussi au courant. Nous savons ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, vous êtes donc venu au club de M. Kistler. Nous avons une déposition à ce sujet. Et Harry, rappelle-nous ce qu'elle dit au juste. Il était très excité. C'est cela, très excité. Kistler, quelques minutes plus tard, a confié au barman, ce garçon est enragé, il aimerait bien me flinguer. Vous auriez pu le tuer. Alors, soyons sérieux. La question s'adresse à Ralph, je la répète. Vous avez abattu Kistler? Réponds. Non. Je ne l'ai pas tué. Vous adorez les armes, je crois. Comment cela? Nous avons pris quelques renseignements. Hier, au lycée, on nous a raconté que vous pratiquiez le tir au pistolet avec quelques camarades. Le tir au pistolet? Les autres ont même eu un avertissement. Le revolver n'a pas encore été récupéré. Certains pensent que l'arme a fini dans une rivière. Je ne sais pas. Vous connaissez donc les armes, vous savez vous en servir. Tout le monde sait les utiliser. Vous en êtes certain? Oui, moi-même je sais tirer. J'ai appris. 3 ans avant la retraite, ils m'ont nommé surveillant. Vous devez autant me soupçonner que le garçon. Je détestais cet homme, moi aussi. Est-ce que c'est vous, alors, qui avez tué Kistler? Je ne l'ai pas tué. Seulement, je vais vous dire que je suis bien content. Cette mort me soulage. Nous en sommes bien sortis, petit. Qu'en dis-tu? J'avais peur, tu sais. Peur que tu te laisses faire. Je ne t'aurais pas accompagné. Tu leur aurais tout raconté. Oui. J'aurais craqué. C'est bien de n'avoir rien dit. Mais on n'est qu'au début de l'affaire. Ils vont revenir nous voir. Est-ce vrai que tu as organisé des séances de tir avec des amis du lycée? Et le revolver, qu'en avez-vous fait? Vous l'avez fait disparaître, vraiment? Je dois savoir. Où est-il? Il est dans la rivière. Nous avons lâché le garçon un peu trop tôt. Ça n'a pas d'importance. Nous allons bien le revoir. Un garçon qui tue le petit ami de sa mère. Est-ce un crime dans le cas présent? Je ne sais pas. Les juges devront décider pour nous. Arrête de boire. Pourquoi devrais-je arrêter? Mon fils a tué Kistler. Il a abattu mon amant. Ralph, mon enfant, est un meurtrier, un meurtrier. J'ai mal quand je croise son regard. Ton garçon a nié. Il n'a pas commis ce meurtre. Écoute. Ma vie est bientôt finie. La tienne est une impasse totale. Sa vie à lui commence. Voilà pourquoi on doit lui éviter la prison. Il n'a pas à payer pour ce qu'il a fait, Irène. Allez, bois ton whisky, si ça doit t'aider. Ce garçon est tout pour moi, tu sais. Je préfère dire que c'est moi l'assassin, si c'est nécessaire. À présent, je suis vieux, j'ai plus rien à perdre. Laisse-moi faire. J'agis ainsi pour l'enfant. Est-ce que tu as déjà parlé de ça avec lui? Je n'ai pas voulu l'inquiéter. Allez, entrez, les gars.
Tu dois lui en parler. Que fais-tu là? Je ne suis pas seule, j'ai amené des copains, maman. Tu veux qu'on s'en aille? Non, non. Tu lui as parlé de notre visite aux flics ce matin? Oui. Ils auraient bien voulu me faire porter le chapeau. Seulement, on s'est défendu. Oui, je viens de lui dire. Bah, à tout à l'heure. De la musique? Ils mettent de la musique? Des copains? Ouais, je t'ai déjà parlé d'eux. Nous méditons sur la mort d'un pourri. Quelles sont vos conclusions? Un mec s'est fait abattre. Seulement, nous n'avons pas envie de le pleurer. On peut pas se résoudre à la tristesse, c'est la joie qui l'emporte. Êtes-vous triste ou content? Écoutez, nous sommes tous contents. Un pourri est mort. C'était un sale macro, un porc infect. Ça ne sert à rien de parler ainsi. Les policiers ont une autre vision des choses. Ils cherchent un assassin. Un point, c'est tout. Tu peux venir un petit instant, Ralph? Oui. Écoute. Tu ne vas plus t'occuper de cette histoire. Car je souhaite qu'elle soit mon histoire. C'est moi qui serai la cible. C'est pourquoi je t'interdis de parler. The stomach's pound of time, the other comes near. When two are in love. C'est plus fort que toi, tu es attiré par ce bouge. Il y a longtemps que tu attends? Une demi-heure, mais je suis un homme assez patient. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas surprenant. Pourquoi est-ce que tu es là? Il va me faire entrer. Je suis déjà connu ici. Je risque d'avoir des ennuis. Ils vont coincer le gosse, Irène. Je ne veux pas qu'il l'arrête. Ma décision est prise, tu le sais. Je veux le protéger. C'est moi qui ai tué ce fumier de Kistler. C'est moi le meurtrier. Tu sais que je n'ai plus rien à perdre. Parce que j'arrive au bout de ma vie. Que faites-vous ici? Venez, vous nous avez causé un tas de problèmes. Prenez la porte. Il s'agit de mon père. C'est tranquille ce soir, les gens ne se bousculent pas à l'entrée. Il n'y a plus personne. Vous avez des ennuis? Je boirais bien quelque chose. Qu'est-ce que tu bois d'habitude? Je peux vous inviter. Tu perds la tête. Et toi, et bois. Je suis un client. Tu fais ce que je te dis. Fais ton boulot, Irène. Et est-ce que cette table vous convient? Oui, installons-nous là. Vous prenez une bière? Oui, d'accord. Eric, tu nous sers?
Je te présente l'inspecteur Derrick de la police criminelle. Tu vas lui servir une bière et à moi aussi. Soyez le bienvenu. Merci. Dans ce métier, on n'est pas toujours le bienvenu. Ça, je peux dire que non. De quoi vouliez-vous qu'on parle? Aujourd'hui, quelqu'un est venu nous voir pour nous parler de vous, un certain Kudau. Il prétend que régulièrement, vous venez tourner autour du club et que votre comportement est bizarre. Les membres du club se sentent observés. Ah, oui, je comprends leur gêne. Est-ce que vous connaissiez Kistler? Est-ce que vous l'aviez croisé? Est-ce que vous êtes allé le voir? Oui, je voulais le rencontrer. Vous avez réussi à lui parler? Deux ou trois fois. Il arrivait en automobile au club, alors moi je l'attrapais quand il descendait. Je voulais lui parler d'Irène. Je lui disais de laisser ma fille tranquille. Et surtout de ne pas l'obliger à faire la putain. Ce sont les gens comme lui, les vrais criminels. Et non celui qu'il a abattu l'autre soir devant la boîte. En tant que policier, oui. Comment voyez-vous ça? Si vous êtes du côté de la morale et de tout ce qui en découle, vous êtes aussi de mon côté? De votre côté? Oui, je me considère aussi comme un défenseur de la morale. Bonjour, Irène. Le garçon est là? Non. Bien. Comment vas-tu? Assez mal, évidemment. Je voulais savoir seulement si tu avais retrouvé la raison. Et toi, comment te sens-tu? Ne t'inquiète pas, je suis solide. À l'instant, je viens de voir le type qui s'occupe de l'affaire, l'inspecteur Derrick. Nous avons bu une bière ensemble, et ensuite, il m'a emmené dans son bureau au commissariat. J'ai bien joué le coup, Irène. Quoi? Quel coup? Qu'est-ce que tu racontes? Il commence à me croire. J'ai réussi à le convaincre. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? De quoi tu parles? Ça y est, il me prend pour l'assassin de Kistler. Du moins, il a des doutes. Tu es devenu fou ou quoi? Tu n'as pas à dire ça. Surtout pas toi. C'est moi qui ai raison. J'agis ainsi pour le petit et pour toi. Je ne peux pas accepter que tu fasses ça. Ce n'est pas toi qui décides. Tu en as parlé à Ralph? Pas en détail. Tu as perdu la raison, papa. S'il te parle de moi, répète cela. Dis-leur que je suis complètement fou, Irène. Voilà une bonne explication. Elle peut justifier n'importe quel meurtre. Tu sais ce qu'on dit souvent? Tous les meurtriers sont des malades. Ralph vient d'arriver. Va lui expliquer ça. Je te dérange? Non, non. Viens. Assieds-toi. L'inspecteur m'a convoqué tout à l'heure. Toi? Tu sais que je pourrais être l'assassin. J'ai plein de bonnes raisons qui valent les tiennes. Nous haïssions ce type tous les deux. Tu veux faire quoi? Tu veux te dénoncer à la police? Oui. Je ne veux pas que tu ailles en taule. Tu es trop jeune. La prison va gâcher ton existence. Tu vas te consumer. Les mois vont passer, tu deviendras fou. Au bout d'un moment, tu seras un mort-vivant. Alors tu fais cela. Pour moi. Ne dis rien. Réfléchis, mon garçon. Je peux t'accorder 5 petites minutes de réflexion. Au-delà, je vais tout raconter à l'inspecteur Derrick. Tu lui as offert 5 minutes de réflexion? Oui. S'il reste dans sa chambre, c'est qu'il est d'accord avec moi. Thank you.
Il est l'heure d'y aller. Comprenez-moi. J'étais excédé. Ma fille était ensorcelée. Ce type, ce Kistler, la traitait comme une putain. Irène était victime de lui. Elle travaillait pour lui tous les soirs, si bien qu'elle délaissait son garçon. Le gosse n'avait personne pour s'occuper de lui. J'en avais assez, c'est pourquoi j'ai réagi. J'ai tué Kistler. Tu peux noter les aveux. Tu n'as pas dit un mot, pourquoi? Il nous ment, mon vieux Harry. Et pourquoi ne pas lui avoir dit? Il veut protéger son petit-fils. Nous ne pouvons rien faire contre. Nous ne pouvons pas l'obliger à dire la vérité. Nous sommes coincés, sauf si le petit craque. Nous verrons. C'est notre seule chance. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons emprisonner Baud. Nous allons aussi avertir la presse que nous avons le meurtrier. Ils ont retrouvé l'assassin de Kistler. Nous allons étudier aujourd'hui le système économique du Japon. De lire ce truc. Laisse-moi tranquille, maman. Tu n'as rien à dire. Le criminel, c'est toi. Toi, toi. Bonjour, madame. Je voudrais parler à votre fils. Venez. Merci. J'ai l'impression que vous êtes souffrante. Je me trompe? Non. Pardon. Bonjour, Ralph. Ça y est. Nous savons qui a tué Kistler. Pour être honnête, au début, je croyais que le meurtrier, c'était toi. J'avais quelques soupçons à ton sujet. Tant mieux si j'ai eu tort. Tu savais que ton grand-père était le meurtrier, au fait ? Tu as le droit d'aller rendre une visite à ton grand-père en prison, si tu veux. Il suffit de nous le demander. Il a l'air d'avoir un bon moral pour l'instant, ce qui est rare en prison. Il n'a pas encore été jugé. L'espoir doit lui donner des ailes. Au début, on pense qu'on va s'en tirer sans trop de cas, seulement souvent on tombe de haut. Il est dans une situation difficile. Très difficile. Si tu veux, je t'emmène le voir non, sur non. le champ. Parce que c'est un peu pour ça que je suis venu, Ralph. Non, 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 pas ça. Non. Je reste ici. Je veux rester ici. Bien. D'accord. Et si jamais tu changes d'idée, je suis là. Tu passes à mon bureau et on y va tous les deux. Comme je suis de garde ce soir, tu peux passer me voir jusqu'à 22 heures. Je resterai même plus tard.
Oui, veuillez entrer. Entrez, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Katia Lonert. Je suis la petite amie de Ralph Stubart. Enchantée. Pourquoi ne vient-il pas lui-même? Vous voulez faire une déposition? Oui. Très bien. Installez-vous. Je vous écoute. Nous sommes quatre super copains, Ralph, moi et deux autres. Nous sommes toujours ensemble. Nous n'avons pas de secret. Nous savions ce que faisait sa mère et les problèmes que ça posait. La manière dont cet homme traitait sa mère nous révoltait plus que tout. C'était infernal. Nous comprenions que Ralph soit parfaitement désespéré. Un jour, il nous a montré le club. Et nous avons fait la connaissance de Kissler. On peut pas vous dire ce qu'on pense de votre boîte à la con. Un conseil, ne restez pas dans les parages. Ce salaud de Kissler nous avait complètement écœurés. Nous avons longuement discuté, Steiner a dit... C'est la loi du plus fort qui compte avec ce genre de gars. C'est parce qu'il fait peur que les gens s'écrasent devant lui. On peut en faire tout autant. On peut lui foutre la trouille. On va lui rabaisser son caquet. Et avec quoi? Avec ce joli petit joujou. Il va faire dans son froc qui roulera plus les mécaniques. On va le menacer, c'est tout. Je veux qu'il transpire à grosses gouttes, je veux qu'il claque des dents. Ce genre de mec a besoin de ça pour comprendre. On a tous trouvé l'idée géniale. Et ensuite? Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faudrait que vous compreniez enfin ce que veut mon copain. Laissez sa mère tranquille. Cherchez-en une autre pour votre bordel. C'est une menace? Ou un gag? Ce serait plutôt une menace. On est très sérieux. On joue les durs, chacun son tour. J'ai le droit de descendre? Non, pas avant de nous avoir donné une réponse. Je vais vous répondre. Tu sais, je n'ai pas le pouvoir que vous croyez. Si ta mère travaille ici, c'est parce que ça lui fait plaisir. Toutes les femmes aiment ça, tu comprends. Chaque femme au fond d'elle-même est une putain. Pour avoir la belle vie, elles se couchent toutes, les jambes en l'air. Qui a abattu Kissler? Regardez votre copine. Elle est comme les autres. Elle ne bosse pas chez moi, mais c'est quand même une salope. Elle va y passer comme ta putain de mère parce que c'est plus fort que vous. I wish you love, I wish you love.